access, les requêtes en SQL, les valeurs nulles, deuxième partie. Alors, nous avons tout à l'heure vu comment afficher les cellules contenant des valeurs nulles. À l'inverse, on va maintenant voir comment afficher des cellules qui ne sont pas nulles. Prenons comme exemple donc le fait suivant. J'aimerais avoir la liste des employés qui ont une commission, donc cette fois-ci, il faut qu'il ait la commission, on va compliquer un petit peu, et qui sont en même temps dans le département 20 ou 30. C'est-à-dire que je ne veux pas les gens qui ont une commission dans le département 10 ou dans le département 40, je veux juste les gens qui ont une commission du département 20 ou du département 30. Donc, il s'agit ici de faire une requête en mode création, de basculer en mode SQL, et d'écrire ce que l'on veut voir, c'est-à-dire le nom de l'employé et le montant de la commission. Select, nomemp, virgule, com. From t employé, puisque le nomemp et la commission se trouvent dans la table employé. Maintenant qu'on a dit qu'on voulait voir le nom de l'employé et sa commission, on va mettre maintenant la restriction qui va permettre de restreindre seulement aux gens qui ont une commission. Where, comme, tout simplement. Et maintenant, on va mettre la deuxième restriction, end, nodep, in 30,20. C'est-à-dire que là, je vais spécifier les gens qui sont dans le département 30 et qui sont dans le département 20. Je place le 30 et le 20 entre guillemets, puisque dans mon cas, Le champ NoDep est un champ texte court. Si ça avait été un champ numérique, bien entendu, il n'y aurait pas eu de guillemets. Voyons si on a une liste de noms et de commissions. On va peut-être même rajouter ici NoDep. Comme ça, on verra si on a bien que des gens du département 20 et du département 30. J'affiche le résultat. Et effectivement, on n'a que des gens du département 30 ou 20 et ils ont tous une commission. Voilà, donc le mot comme suffit simplement pour voir les gens qui ont une commission. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Je vais quand même enregistrer celle-ci. Ça sera la requête R underscore W16. À très bientôt.